Bonsoir, mes chers Néo-Québécois et mes chères Néo-Québécoises. Bienvenue pour la toute première fois à la première édition du bal Africana. Look at him. So beautiful. What is that? So this is, I'm a representative for Giovanna Louis, Giovanna Benoit. So this is the Giovanna Benoit collection from Los Angeles. Wow. And yeah, and so, and Giovanna's Haitian. Haitian. So, yes, sac passé Haïti. Sac passé Haïti. And yes. Yeah, and so we're here today representing Giovanna's, some of her best pieces here in the wow. show. And we just want to represent our culture and the diaspora through fashion. Oh my yeah. God, this is amazing. This is so beautiful. And your name? My name is Théotulien. Wow. Théotulien Thomas. Voici une de nos maquilleuses préférées. Comment tu vas? J'espère bien, merci toi. Bien, merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de tout ça, là? Oui, donc aujourd'hui, on est dans l'équipe de Silky, la maquilleuse en chef, qui est juste ici en train de travailler. Donc, on fait ses créations, puis on les met de l'avant. On travaille beaucoup sur la mélanine, puis les jeux des couleurs au niveau des yeux. Donc, tous les mannequins font partie de différents tableaux, puis chacun des looks a été créé et représenté par Silky. Wow! Magnifique! Qu'est-ce que tu veux dire par représenter la mélanine? Bien, je trouve vraiment qu'on a mis un effort sur les teints avec V Cosmetics, qui est notre sponsor. On a des fonds de teint, on a des cache-cernes, des poudres et des fixatifs qui sont vraiment adaptés aux couleurs de notre peau. J'adore ça, j'adore ça. On va aller voir un peu les mélanines ici. Oui. Vraiment, c'est une belle palette de couleurs. J'adore qu'est-ce qui se passe ici. Donc, j'ai hâte de voir tes looks et bonne chance pour le défilé. Merci beaucoup. Fouiner, on fouine, mesdames et messieurs. Vous voyez qu'est-ce qu'on fait pour vous? On est en train de fouiner, là, comme si... hein? J'espère que vous êtes reconnaissants, là. Il se passe quelque chose ici, on dirait... ça se passe, là. Quand ça arrive, ces regroupements-là, il se passe quelque chose d'intéressant. Bonjour. Il y a trop de monde, comment tu vas? Il y a trop de monde, il y a trop de monde, il y a trop de monde. En plus, je bloque la lumière. OK, donc s'il n'y a pas nécessité d'être ici... Non, il faut qu'on s'en aille. Vous voyez? C'est ça qui arrive au backstage. On nous met dehors, mais on va comprendre pourquoi. Vous voyez les magnifiques faces que vous avez vues aujourd'hui? Bien, c'est le make-up de V Cosmetics. Comment tu sens le maquillage sous toi en ce moment? C'est excellent. Les artistes, les bénévoles, elles ont fait un travail incroyable. Est-ce que tu sais c'est quoi la création que tu vas porter aujourd'hui? Je ne connais pas le designer. Oh non? Est-ce que non. Tu veux nous le montrer? Qu'est-ce que oui, tu vas porter? Allons-y. Qu'est-ce que tu vas porter ce soir? Je vais porter cette robe noire. Ouais. Et je vais mettre un casque. Un casque? Quel genre de casque? Comme de guerrière. De guerrière? Oh my God! Est-ce que tu te sens comme une guerrière ce soir? Oui. C'est quoi pour toi une guerrière? Ben, c'est une personne qui a beaucoup de comme, confiance. Et qui est forte en soi-même. C'est votre première fois? Non, c'est le premier, oui. C'est le premier. C'est ta première fois défiler? Toi aussi? Non, pas moi, non. Combien de fois à peu près? Genre quatrième fois, je crois. Quatrième fois, et toi? C'est ma première fois. J'ai regardé ton livre, ça m'a donné l'eau à la bouche, et je me disais, dans quelle équipe elle est, Émilie? Est-ce que tu es dans l'équipe riz blanc ou riz collé?
Oh my God, c'est difficile, hein? Je crois que je vais partir pour ricoler. Ricoler! Félicitations, j'ai merci. Vraiment aimé ton livre. Oh, c'est merci. Magnifique, les couleurs, les saveurs. Wow. Et t'as une manière tellement simple d'expliquer la nourriture haïtienne oh, wow. qu'on a toute envie de se mettre main à la tâche et d'apprendre les tout petits détails. Mm-hmm. Et qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est la manière que tu as expliqué ton amour, d'où vient ton amour pour la cuisine, ta grande sœur qui a joué un rôle super important. Exactement. Donc, ça m'amène à penser, les amis, des fois, les grandes sœurs deviennent nos idoles. Exactement, c'est mon cas. Oui, c'est mon cas et ça me fait tellement plaisir là aujourd'hui qu'elle m'appelle pour me dire ah, je suis tellement fière de toi. Oh my God, c'est vraiment quelque chose de très spécial. On est fière. Ben, ta sœur, elle est vraiment gentille de le dire, puis on va le dire aussi. On est vraiment très fière de toi. Parce qu'il n'y a pas. La nourriture, on sait toujours, la nourriture approche les gens. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'approches pas juste les gens, tu approches la culture haïtienne à d'autres cultures. Et ton charisme et le fait que tu es humble, tu es terre à terre, on a envie de te tout donner. Et je te souhaite le succès et je souhaite que tu traverses le monde entier pour nous représenter. Merci, Wow! Est-ce que vous avez vu ça? Quand vous avez quelqu'un comme ça, vous n'avez pas besoin de trop de questions, il répond à toutes vos questions. J'adore. Alors, j'aime ça le look. Qu'est-ce qui vous a inspiré aujourd'hui? C'est vraiment de pousser les limites, de faire quelque chose de complètement différent, mais surtout, c'est l'esprit du bal africana et cette célébration des différentes communautés noires d'une manière que je pense n'a jamais été faite avant. Où est-ce qu'on a vraiment cette diversité-là au sein des communautés noires? Où est-ce qu'on met de l'avant les couleurs? On est vraiment habitué dans notre société à être habillé d'une certaine manière pour être considéré chic. Et qu'est-ce qu'on voulait voir aujourd'hui? Moi, je voulais personnellement sortir du cadre du chic et amener un autre chic. Et ce chic-là, vraiment, c'est le chic que je pense qu'il représente dignement les communautés noires et leur joie de vivre de manière générale. C'est pas un gala comme les autres, parce que comme on voit, il y a le gala en avant-plan, puis il y a un défilé aussi. Exactement. Et toi, tu es un model. En ce moment, je wow. relax. Ouais, non, il n'y a pas de relax ici. Tu vas sentir. Tu vas sentir l'adrénaline jusqu'à la fin. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien, yeah, I like your outfit. C'est beau. Merci, wow. C'est Elise. Donc, vraiment ouais, beau, vraiment. Wow. Merci beaucoup, merci. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment je me sens? Pour l'instant, ça va, mais je sens que je vais être stressé. C'est la première fois que je défile. Yeah, first time. C'est la première fois, donc, comme le bal, c'est la première édition aussi. Donc, tu expérimentes les choses aujourd'hui. C'est une victoire pour moi et pour le bal. Parfait. Toi, là, ton monde, c'est pas juste occupation d'eau, OK? Mm-hmm. Il y a une vie en arrière, tout ça. Il y a aussi joueur d'Olympique, t'as participé. J'ai retraité par contre, mais oui, j'avais une carrière professionnelle en saut en longueur, en athlétisme. Wow! Yep, mais ça, c'est du passé, là. Ça, on est dans un autre chapitre maintenant. On est dans un autre chapitre. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, cette expérience? D'athlète, en tant qu'athlète? Oui. Oh my God, beaucoup de choses. Sincèrement, ça me... La discipline, le mode de vie que j'ai aujourd'hui, je m'entraîne encore à tous les jours, l'énergie que j'ai... Je suis un gars très compétitif. Fait qu'au travail, on le ressent aussi. Un peu tout ça. OK. Est-ce que tu as regardé les Jeux olympiques cette année? Of course. Ben oui, j'ai regardé les Jeux olympiques. C'est mon moment favori, là. Fait que j'ai regardé ça de manière assidue, ouais. Comment tu te sentais? Est-ce que l'énergie de la couleur jaune était en toi pendant que tu défendais tes athlètes préférés? Ben oui, j'étais déjà en train de visualiser, là, pour le bal africana. You know, I was ready. J'ai adoré. Qu'est-ce qu'évoque la couleur jaune pour toi? Wow! La couleur jaune évoque la mode, le style, la joie, l'énergie. Je vois étoiles, succès. Wow! Je souhaite un bon show. Merci. Attends, on va le faire pour vrai. Te rappelles-tu de ta toute première fois dans ta vie? Ma première fois? Quelle première fois? La première fois que tu veux nous partager, bien sûr. Quelque chose qui s'est passé dans ta vie que tu vois encore les influences maintenant. La première fois que j'ai pleuré face à une œuvre d'art. Wow! OK.
Okay. C'était au Musée des Beaux-Arts de Montréal et c'était une œuvre, une installation vidéo d'un artiste sud-africain. Et ça m'a tellement émue, je suis restée regarder cette œuvre, je pense quasiment une demi-journée. Wow. Et ça, c'est la première fois que j'ai vraiment été interpellée. J'ai toujours été interpellée par l'art, mais là, à ce niveau-là, avec cette profondeur-là, ça, c'est une des premières fois qui m'a vraiment marquée. Certainement, je pense que cette œuvre-là, ça m'a rappelé qu'il y a le pouvoir de l'art et celui-ci, le pouvoir de bouleverser, le pouvoir de transformer nos imaginaires. Puis ça m'a rappelé que, effectivement, c'est vraiment ce que je voulais faire comme métier dans la vie, quoi, transformer les imaginaires des gens. Wow, elle est magnifique. Elle est magnifique. On aime ça. Puis je te souhaite une bonne chance pour le défilé. Tu vas faire ça comme une reine. T'es stressée? Non. You have this. On n'a pas tous et toutes cette prestance que tu as naturelle. Il y en a. Mais est-ce qu'elle se voit? Est-ce qu'elle se voit? Mais je le prends comme un compliment parce qu'il était magnifique. Et tu m'inspires beaucoup. À chaque fois que je te vois, je crois, moi, OK, cette personne-là, elle émane de la lumière, puis on a envie de la suivre. Donc, merci et bonne soirée. Merci à toi aussi. Tu as joué dans Carnaval et après le déluge. Et les deux personnages sont complètement différents. Est-ce que tu considères comme une personne qui n'a pas de visage? Hey, c'est bon ça. Je pense, je vais dire ça pour le jeu, je vais dire que oui. Parce que je pense que je peux interpréter plusieurs rôles. Comme là, je viens d'avoir deux autres rôles. Un dans une série qui s'appelle Corbeau, qui va sortir l'an prochain. Une autre série qui s'appelle Qui a poussé Mélodie, et ça, c'est une comédie. Donc, les personnages sont vraiment, vraiment, vraiment très différents. Et je viens d'avoir deux autres rôles dans deux nouvelles téléséries. Et c'est deux autres rôles complètement différents aussi. Donc, je vais dire, oui, je pense que j'ai peut-être un... Je peux m'adapter à plusieurs rôles. Donc, oui. Wow, c'est vraiment beau. Mais félicitations. Merci. Pour tous ces beaux rôles. Et aussi, ça m'amène à penser, comme c'est la toute première fois, c'est la toute première édition du Bal Africana, est-ce que tu te rappelles de ta première fois? Ma première fois... Attends, la question n'est pas claire. La première fois de quoi tu parles? La première fois, la première chose que tu as osé faire et qui te suit jusqu'à maintenant. Ouh, bonne question. OK. Première chose que j'ai en tête, c'est par rapport au acting. Ma mère, elle voulait absolument que je travaille comme infirmière ou médecin, un peu comme tous les mamans, tous les parents. Je me suis inscrite à un cours de théâtre. J'ai fait « Ah non, je sais que je veux devenir actrice, alors je vais m'inscrire à un cours de théâtre. » Je suis même pas certaine que je l'ai dit à ma mère. Wow. Et je l'ai fait et j'ai aimé jouer. J'ai adoré jouer, mais je préfère jouer plus devant la caméra. Mais c'était vraiment, c'est une de mes premières fois que je me suis assumée pleinement dans ce que je voulais faire. C'est très magnifique. J'espère que vous avez compris. Il faut assumer dans la vie pour avoir des expériences comme ça. Et même si on pense qu'on est la seule personne à croire à nos rêves, il faut y aller parce que la vie ne va jamais nous laisser tomber. Parmi tes collègues, qui peut parfaitement imiter plusieurs accents? Bella, citron rose. Citron non? Rose. Oui. Oui, c'est sûr, t'es la première personne à qui je citron rose. J'ai posé la question à quelle personne qui peut faire plusieurs accents. Elle a dit c'était toi. Oui, of course. Je pense que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand on regarde les TikTok et tout, sa personnalité, on peut dire c'est vrai, mais il y a une autre personne. Ah oui? Il y a Naïla Louis d'Or. Mais ça, je ne savais pas, tu vois. Oui, Naïla Louis d'Or, elle peut faire plusieurs accents sous demande. Ah! Mais je viens de découvrir quelque chose. Je vais lui demander de me faire un accent. Oui, moi aussi, tantôt. T'inquiète, t'inquiète. Comment elle va? Magnifique, magnifique. Merci, mais pour dire, j'ai un pâté dans mes mains, c'est pas cute. C'est magnifique. Non, 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 non. Quelle élégance. Elle est élégante. Avec elle mange son pâté, OK? Ça, c'est glamour, OK? Pas besoin de caviar quand t'as du pâté. C'est ça, les pâtés, c'est very mindful, very demure, OK? Very cute. C'est ça. Ben, on est dans la première édition du Bal Africana et on lance la mode aujourd'hui. On lance les tendances pâté chic avec rose. J'adore. Aujourd'hui, c'est la première édition du Bal Africana et ils ont décidé de faire un tapis hors du commun, le tapis jaune.
qu'est-ce qui évoque pour toi la couleur jaune? L'or. L'or, ce qui est précieux, ce qui est excellent, ce qui rayonne. Oui. Est-ce que tu aimes la couleur jaune? C'est une couleur que tu portes? Oui, et d'ailleurs, sans dire trop de détails, peut-être que je porterai du jaune plus tard. Scoop, scoop, scoop. On adore ça, on adore. Un petit secret. Comme aussi c'est la première fois, la première édition, te rappelles-tu de ta première fois? De ma première fois? Dans un défilé? De quelle première fois veux-tu nous parler? Une première fois, quelque chose qui t'a apporté tellement d'éducation, d'expérience, qui t'a forgé et que tu te rappelles encore aujourd'hui? Je vais dire la première fois que j'ai fait une prestation de danse devant public. Je dirais à l'âge adulte, parce que quand on est enfant, on a un petit peu ce côté téméraire. On n'a pas peur de grand-chose. Notre famille nous dit « Vas-y, va danser, puis tu vas le faire. T'es pas trop gênée. » Mais à l'âge adulte, de faire une performance de danse, d'avoir chorégraphié, travaillé dur sur une chorégraphie, puis de l'exécuter devant un public, cet échange d'énergie positive avec les gens dans une audience, c'est quelque chose que je vais jamais oublier. Puis encore aujourd'hui, malgré ça fait des années et des années que je danse puis que je fais de l'afro, c'est toujours un sentiment indescriptible qui fait du bien. Donc ma première fois, ouais, ça m'a convaincue que j'étais dans la bonne branche. OK, on va les laisser un peu d'intimité. Wow! Magnifique, magnifique. Yeah, I know. Oui, oui, oui. On sait que la mode, les stylistes, les designers, c'est vraiment quelque chose de difficile, surtout à Montréal. Quel conseil vous donnerez à la jeune relève pour continuer à... Moi, je dirais de parler ou même d'essayer de trouver certaines personnes ou d'autres designers qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont vraiment vécu et qui ont, comme je disais, qui ont beaucoup plus d'expérience, qui peuvent vraiment leur parler et leur donner des conseils. Parce que c'est pas ça. Le conseil que je donne, c'est le conseil qu'on donnerait à n'importe qui, que ce soit dans la mode ou que ce soit dans n'importe quelle industrie. Donc, c'est d'avoir, comme je dis, on appelle ça un coach, qui peut donner des conseils, qui peut essayer de vous dire, ben moi, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Voici ce que j'ai appris. Peut-être que toi, au lieu, ce que tu devrais faire, élimine cette étape parce que c'est ce que j'ai fait. Donc, je pense que c'est vraiment de se mettre dans un milieu où vous êtes entouré d'autres designers, mais d'autres designers avec beaucoup plus d'expérience. The garment, the colors, but also a little bit sexy, a little bit unique, un petit peu excentrique, parce que c'est vraiment elle. Wow! Elle vous a bien décrit et vous portez à merveille. Qu'est-ce que j'adore, c'est que c'est une robe chemisier. C'est un look à la garçonne, mais il y a tellement de féminité dedans c'est que exactement c'est... Exactement ça. Ah oui, ah oui! Parce que la femme, elle est forte et en même temps, elle est féminine. Exactement. Féminine et forte, ça vous décrit parfaitement les couleurs. C'est rare qu'on voit des tons de couleurs mélangés comme ça ensemble. On n'ose pas trop, mais là... Merci. Génial, génial, génial. Quel génie. Mon Dieu, moi, OK, j'étais designer. Alors moi, ce que je me souviens, c'était mon premier fashion show. Fait que ça me rappelle, je sens la fébrilité, l'excitement. Toutes les émotions qui sont là présentement, la première fois que je paradais puis que je démontrais ma nouvelle collection qui s'appelait New Eye by Vicky en 2000, my God, en 2010, genre. Ça fait longtemps.
de ça, fait que ça me rappelle justement ce lien-là avec le premier bal africana à Montréal. Oh mon, c'est une belle, c'est ton premier amour, le design. Moi, j'adore ça. Là, on est sous le tapis hors du commun, c'est le tapis jaune. Qu'est-ce qui évoque la couleur jaune pour toi? La victoire. La victoire, la force, le fierceness. Puis ça part de loin parce que nous, en tant que communauté noire, en tant qu'Africains, on a cette force incroyable. Puis on est victorieux. On a tellement passé à travers des années, des 400 ans et plus de souffrance que le jaune représente la victoire. Moi, je suis aussi une partenaire justement avec le bal africana. J'ai ma ligne de cosmétiques que j'ai créée depuis 2017. Qui est maintenant répandu à travers, mon Dieu, 8 pays! C'est 8 pays! Alors pour moi, c'est comme j'ai un projet quand même qui est d'envergure, c'était de soutenir justement le CECAM à travers Bal Africana. On ne pouvait pas prendre une autre ligne qui ne pouvait pas mieux représenter le Bal Africana et dans toutes ses couleurs, dans toutes ses forces, comme je représente des cosmétiques. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence. Chaque fois que vous participez à l'événement du CECAM, chaque fois que vous contribuez à notre cause, chaque fois que vous faites un don, vous enrichissez notre culture, votre culture, notre communauté. Cette soirée suivra l'image des buts du CECAM, c'est-à-dire de célébrer, d'enrichir la culture afro-caribéenne, de Canada, canadienne, de souligner l'excellence, le génie créatif et artistique de notre communauté et notre riche patrimoine. Donc, merci encore pour votre présence et bonne soirée. Aujourd'hui, tu es à la soirée
du première édition du bal Africana. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Est-ce que tu as déjà vécu, sûrement tu as déjà vécu une expérience qui t'a marqué? Quelle est ta première expérience qui t'a marqué jusqu'à maintenant? Depuis que je suis là, mais c'est on va dire quoi, les costumes. OK, ouais. Les costumes, vraiment, l'idée, elle est magnifique de la part du CECAM de mettre un événement comme celui-là. Puis le titre est là, bal Africana, ça veut dire que ils avaient quoi? Ils voulaient du chic, du glam et de l'élégant. Non, sérieusement, ça fait plaisir. Et surtout que la cause qu'il y a derrière, c'est vraiment de lever des fonds pour les personnes démunies, qu'elles aient accès à l'art et à la culture. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est ainsi que s'achève la première édition du bal Africana. On a couru, on a dansé, on a défilé et savouré des mets africana. Donc, merci beaucoup et à la prochaine édition.